Et bien salut tout le monde, c'est PetGamer172, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. Dans cette vidéo, je vais vous montrer ce pack Kawaii World. Allez, c'est parti! Alors les amis, ce pack est absolument kawaii et très étrange comme vous pouvez le voir. Regardez, nous sommes sur une texture qui est très très rose, hein, comme le dit le nom kawaii. Regardez les items, je vais venir après sur les items. On va déjà regarder le minerai de diamant, regardez comment il est. On voit des petits smileys, des petits oursons comme ça sur le diamant, c'est plutôt parfait. Sur l'émeraude c'est pareil, sur chaque matériau etc. Ici nous avons la table d'enchant, regardez comment elle est faite, cette table d'enchant. Regardez comment l'enclume est faite, vous voyez, avec ce petit smiley comme ceci, ce petit Neon Cat comme ça. Donc c'est plutôt bien fait, le four, regardez comment c'est fait. Avec les yeux, c'est plutôt parfait. Et regardez ce golem, regardez avec la texture de Superman, regardez. C'est absolument magnifique, c'est pas kawaii, regardez les bâtons, comment ils sont. Voilà, tout simplement. Alors je remets le bâton. On va manger, regardez l'item de pastèque, comment elle est. C'est plutôt stylé, on va aller voir dehors. Pour commencer, avant d'aller voir les items, etc. Regardez, les lianes, la glowstone, regardez, elle est vraiment bien faite. Donc c'est un pack pour fun. Franchement, c'est pas un pack que je vous conseille pour jouer tout le temps sous vos parties. Tout simplement, c'est un pack qui est très très stylé, qui est très très joli. Mais pas du tout pour jouer, bah, tout simplement. En survie, regardez le soleil. Regardez juste le magnifique soleil que je vois ici. Hop, voilà, regardez ce magnifique soleil kawaii. C'est absolument extraordinaire qu'on puisse faire ça tout simplement dans Minecraft. Alors regardez, ici on a les lits, regardez avec les petits yeux, etc. La petite couverture, c'est vraiment kawaii. Je trouve ça assez stylé qu'ils ont fait un pack comme ceci. Et c'est plutôt bien. Du coup, hop, on va aller par là, on va voir ce qu'il y a. Ici on a l'endroit de l'enchantement. Ici c'est un coffre, regardez un peu à peu près tous les items, les os etc. Regardez l'os comme il est bien foutu. On a la table de craft qu'on vous avez déjà vu, tout simplement. Nous avons du lapis lazuli, regardez comment il est, le lapis c'est vraiment parfait. Alors je vais encore manger du, enfin du melon j'allais dire, de la pastèque. On a des œufs, enfin les œufs, certains items ne bougent pas. On a les livres, regardez, on a l'alambic. Tout simplement, nous avons l'enclume, nous avons les murets. Regardez les murets comment ils sont. Hop, vous l'avez déjà vu ici. Oui, c'est plutôt pas mal. Donc ça, c'est la cobble, comme vous aurez pu le voir. Et là, nous avons les bibliothèques et la table d'enchant. Et ici, nous avons un autre coffre. Donc franchement, c'est plutôt pas mal niveau item, etc. Du coup, on va aller descendre juste en bas. Ok les amis, je suis en bas, j'ai fait juste une petite chute assez violente, on va dire. On va aller voir les armures ici. On a les armures en cuir qui n'ont pas trop bougé. Les coffres sont vraiment magnifiques, hein. Ici, les armures en chainmail qui n'ont pas beaucoup bougé. Voilà, on a l'armure en or. Regardez comment elles sont vraiment stylées. On va essayer de les mettre pour voir si ça change quelque chose sur nous. Oui, regardez, ça change quelque chose sur nous, donc c'est plutôt parfait. Alors, je vais le mettre en troisième personne. Comme ça, vous voyez un peu, regardez comment c'est stylé les armures en or. Donc, du coup, on va reposer ça dans le coffre. Ok, je vais les enlever, tout simplement. Voilà. Et je vais mettre, hop, les armures qu'il y a par la suite. Les amis, on se retrouve avec l'armure en fer. Regardez, elle est plutôt jolie, cette armure en fer. Ça fait penser, je sais pas, un petit tigre. Regardez, on va juste mettre encore une troisième personne, comme ceci. Regardez derrière, ouais. Ça fait petit tigre, un petit chat, c'est assez stylé. Et là, les amis, on se retrouve avec l'armure en diamant. Regardez comment elle est stylée, cette armure. Elle est plutôt belle. Je trouve que ce pack a vraiment un beau potentiel, etc. Pour vos parties fun, comme je vous l'ai dit, entre potes, etc. Mais voilà, rien de plus, du coup on va passer aux items. Alors les amis, pour les items, vous voyez que c'est la folie, des items de partout. On va commencer par l'épée, je vais en prendre une à chaque fois, sinon la vidéo va durer assez longtemps. Regardez l'épée, comment elle est stylée, franchement, regardez comment c'est bien. Ici c'est du bois, ici donc c'est tout simplement du bois, ici c'est du bois également. Là regardez les trappes, comment elles sont. Voilà, et la lave qui a pas trop changé, mais regardez comment c'est bien foutu, on va dire, carrément, les feuilles aussi, etc. Donc regardez l'épée en jams, voilà. On a ensuite les autres épées, tout simplement. Nous avons le briquet, qui est, on va dire, très très stylé, le briquet, comme vous pouvez le voir, tout simplement. Je n'arrive plus à prendre, à éteindre le feu, non. Ok, je n'arrive plus à atteindre le feu, c'est du bois. C'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai, au secours, au secours, au secours. Bon, les amis, je crois qu'on va déposer ce briquet ici. J'ai pas mal galéré pour éteindre ce feu d'ailleurs ici. Ouais, il manque une leaves tout simplement. Bon, ici on a l'arc. Hop, bien sûr, je n'ai pas les flèches. Je ne pourrai pas vous montrer la prochaine fois. Je n'oublierai pas les flèches, tout simplement. Donc voilà, donc ici nous avons l'arc. Voilà, qui est plutôt pas mal.
Nous avons ensuite, hop, ici, voilà, la canne à pêche, comme ceci, qui est... L'animation est très jolie. Voilà, les roses, etc. C'est plutôt pas mal. Ici, nous avons les potions, voilà, hein, hop. Et ici, nous avons les pommes, regardez, la pomme d'or, la pomme enchante, ici. Voilà, donc là, c'est la pomme d'or, là, c'est la pomme normale, tout simplement. Et ici, nous avons la pomme enchante. Donc, comme ceci, regardez, c'est une tête de kawaii. Et ici, nous avons la carotte, nous avons le pain, les patates, ça, je ne sais plus, du porc, je crois que c'était le... Du steak, voilà. Et puis, le reste, je me souviens plus, tout simplement, car les items sont très très bien modifiés. Donc, voilà, je pense avoir fait un peu le tour de ces packs. Enfin, de ce pack, tout simplement. Donc, n'hésitez pas... What the fuck? Bon, les amis, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Si jamais vous voulez d'autres packs que je vous présente, n'hésitez pas à me dire ça rapidement. Et moi, je vous dis à la prochaine. C'était iPodGamer172. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous avez aimé. Et n'oubliez pas le like et de vous abonner. C'était iPodGamer172. Portez-vous bien. Allez, ciao tout le monde.